Ok les gars, de retour à la maison, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu là ce matin, je vous ai filmé 2-3 bails dans le train, un petit peu au hasard, tout simplement pour vous montrer que j'étais pas chez moi. Donc ceux qui ont vu sur Snap, j'étais à Paris pendant 3 jours, simplement parce que j'avais pas cours cette semaine, donc j'en ai profité pour monter à Paname. Et là je viens de rentrer, donc j'avais le train ce matin à 8h30, là je viens d'arriver à la maison, il est 13h30 et on est samedi. Donc j'ai tout le samedi pour vous filmer une bonne vidéo à l'ancienne, comme on aime. Des conseils, des astuces et le training. Donc, on va commencer cette vidéo par vous montrer une putain de surprise. Je suis salement content là. Enfin, c'est pas vraiment une surprise parce que je savais que ça allait arriver. Mais je pensais pas que ça arriverait en même temps que moi. Et regardez ça, les gars. Peut-être les deux plus gros colis que j'ai reçus dans ma vie. Vraiment, ils sont assez énormes. Je sais pas si vous voyez. Regardez, référencé avec mon pied. Ils sont salement fat et salement lourds. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces colis? Il y a tout simplement la nouvelle collection qui sortira, comme je vous ai déjà dit, le 10 décembre. Et sachez que là, il n'y a même pas la moitié. Donc là, on n'a que les pulls. Donc, je vous ai dit, je vais sortir des pulls, t-shirts, débardeurs et un bas de jogging, les gars. Et là, il n'y a que les pulls. Mais vu qu'ils sont assez épais, c'est des pulls d'hiver, ça prend salement de la place. Donc là, on a les pulls en deux coloris. Semaine prochaine, je suis censé recevoir les débardeurs, les t-shirts. Et putain, j'ai salement hâte. Rien que là, les pulls, je vais enfin pouvoir les ouvrir. Bon, malheureusement, là, je vous dis ça, mais je vais laisser du suspense parce que je vais pas vous les montrer maintenant parce qu'il faut que je fasse encore 2-3 bails avec. Et je préfère vous les montrer d'ici une semaine sur Insta et dans la prochaine vidéo YouTube. Voilà, le bonheur, il sera que pour moi. Je vais ouvrir tout ça, faire ce que j'ai à faire avec. Et faudra attendre encore un petit peu avant de les voir. Et encore attendre pour les acheter. Putain, je galère à parler. Parce qu'ils seront dispo le 10 décembre. Du coup, voilà. Déjà, là, je vais poser la caméra. Je vais ouvrir tout ça, ranger, trier, faire les photos. Tout, enfin, plein de trucs à faire. Prendre un café. Et là, il fait salement beau. Je pense que vous avez vu. Je suis étonné d'ailleurs, parce que quand j'étais à Paris, il faisait que de pleuvoir. Donc là, il y a un sale soleil. Mais j'ai aucune idée du programme de la journée. Donc à voir si je vais à la salle maintenant, plus tard. I don't know. Du coup, je vous fais une transition avec la main, comme ça je peux vous capter quand je veux. À toute. Ok, les gars, gros délire. Là, on se retrouve juste une demi-heure après. Donc, j'ai pris le temps d'ouvrir les deux colis, de monter tout dans ma chambre. Et comme je vous ai dit, c'est que les pulls. Et je vous jure, ça rentre archi pas. Genre, j'ai vraiment pas la place de stocker ça. En fait, je stocke ça dans ma chambre. J'ai mon armoire et une autre petite armoire où j'ai fait le vide complet pour mettre mes produits. Et là, vu que c'est des pulls et que c'est assez épais, et je vous jure, il y a archi pas la place. Et c'est que les pulls. Du coup. Faut déjà que je fasse la place pour ça. Et en plus, il y a encore tous les débardeurs, tous les t-shirts. Faut que je trouve un moyen parce que ça va go à la cave. Mais le problème, c'est qu'à la cave, il y a de l'humidité. Du coup, je vais essayer de trouver des bails à Ikea, des trucs de stockage si je trouve. Parce que mine de rien, ça commence à devenir pas mal. Du coup, la petite armoire de la chambre, ça suffit plus. Donc voilà, je vais rester à tout ça ce soir. Là, il est 14h19. Voilà. Wesh. Donc je vais profiter pour aller à la salle directement. Je pense qu'il n'y aura pas trop de monde vu que c'est samedi après-midi, qui fait assez beau toujours. Regardez ça. Putain, je croirais en été, juste il fait 5 degrés. Donc bref, je vais aller à la salle. Là, je vais me faire le petit café avant le training. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est comme séance? Hier, j'ai fait le dos. J'ai vraiment pas envie de faire les jambes aujourd'hui parce que je viens de rentrer, etc. Donc je fais les jambes demain. Donc on va faire pec aujourd'hui, comme ça je peux vous filmer du développé couché. Et malheureusement, la salle où je vais, là, il n'y a que 40 kilos au niveau des haltères. Donc on va essayer de mettre lourd au développé couché. Ah, des dips! On va essayer de faire des dips aussi, comme ça je peux vous filmer ça. Ouais, allez, let's go. Café, BCA et vamos. Est-ce que vous voulez voir le plus gros fail de France? Je vous jure, depuis ce matin, j'attends mon café. Parce que j'en ai pas pris dans le train, parce que grosse flemme prendre un café à 4 euros. Regardez, je mets ma petite tasse. Attendez que le grain se moue. Bon, allez, plus. Yes! Non, plus de café, putain, je suis dégoûté. Ça, c'est. Et putain, j'ai le seum là, je voulais mon café, bordel. Du coup, on va se rabattre sur cette machine. Mais les cafés, comme ça, je les trouve vraiment pas ouf. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais quand t'es habitué à la machine à grains. Et tu dois passer sur les petites dosettes là, putain, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un échec. Mais vu qu'il me faut un café, pas le choix. Oh putain.
Putain, enfin là! Apparemment, c'était un problème au niveau du capteur d'eau. Genre, on fallait juste pousser le truc et ça fonctionnait. C'est bon, café! On va pouvoir aller à la salle. Ok les gars, donc je viens d'arriver sur le parking de la salle et au final, je suis pas allé à la salle où je vais d'habitude là. Enfin, celle qui a réouvert que je vous ai montré dans la dernière vidéo avec le sol vert. Je suis allé à celle où j'allais là depuis un mois là ces derniers temps. Tout simplement parce que le banc de développé couché dans cette salle, il est grave frais. Les poids, c'est des technogym, donc ils sont fins. La station dips, elle est lourde. Et en plus, c'est cette salle où il y a les 50, 55 et 60 kilos au niveau des haltères. Mais là, le problème, c'est que je sais pas si j'ai envie de faire des dips lourds, si j'ai envie de faire du développé couché lourd ou si j'ai envie de faire des haltères lourds à 60 kilos. Donc là, j'hésite vraiment. En plus, je suis assez motivé, il fait beau, j'ai la forme. Donc je pourrais pas vous dire là maintenant ce que je vais faire. Du coup, je vous filme la séance. Et suspense, j'ai la GoPro et le téléphone, donc je vais filmer, mais je sais pas quoi. Du coup, bon visionnage et Inch'Allah, il y aura du lourd. Ok les gars, séance pec finie. Séance planche plutôt parce que j'ai fait des triceps et des épaules à la fin. Alors vous avez vu, il y a eu un petit problème en fait, la GoPro elle avait plus de batterie.
Et comme après j'avais la musique, il y a eu un peu de monde à la salle, j'avais grave la flemme de filmer avec mon téléphone parce que c'est un peu plus compliqué. Parce que la GoPro, je dois juste la poser. Le téléphone, c'est l'iPhone, ça zoom. Donc voilà, j'ai pu vous filmer les dips. Ensuite, le développé couché halter qui était salement dur. Et ensuite, j'ai fait des élévations latérales, des extensions de triceps, de la presse convergente inclinée, des écartés à la poulie. Attendez, je voulais dire quoi ? Ouais, j'ai pu vous filmer la presse convergente. Donc voilà, je pense que... Attendez, je vais vous faire le récapitulatif. Donc on a fait dips, ensuite développé couché halter. Ensuite, j'ai fait de l'écarté à la poulie en 5 séries de 20. Ensuite, j'ai fait la presse convergente inclinée que vous avez vue en 4 séries à l'échec. Ensuite, j'ai fait des élévations latérales en 5 séries de 20 et des extensions triceps en 5 séries de 20. Donc ouais, honnêtement, c'était une sale séance. Il y avait beaucoup de lourd à l'échec, donc ça a bien taxé le système nerveux. Et moi, je suis vraiment un adepte des séries à l'échec et du lourd. Et il y a beaucoup de volume, sale congestion des pecs, à la fin, congestion triceps, épaules, donc tout y était, c'était vraiment bon. Les dips, ça revient, donc 7 reps à 100 kg, c'est pas dégueu. Là, il y avait le bon rack, les bons poids. J'ai les 10 reps à 100 kg de nouveau très bientôt, je le sens. Ensuite, développé couché halter, j'ai pas voulu prendre les 60 kg parce que ça allait être impossible après les dips et j'avais la flemme de faire juste 2-3 reps et que ça tombe sur ma gueule. Donc voilà, j'ai pris les 50 kg et j'ai décidé de faire 3 séries à l'échec. Donc j'ai fait 12, 10 et 8, je crois. C'était vraiment dur, chaque dernière rep, j'ai cru que j'allais mourir. Et voilà, après, j'ai fait le travail habituel d'hypertrophie et de volume. Vraiment bonne séance, moi je suis content, j'espère qu'elle vous aura plu. Là, je viens de remarquer que la dernière vidéo YouTube, j'ai également filmé des dips, donc désolé si c'est trop, mais voilà. Et elle va essayer de développer couché halter, donc c'est pas exactement pareil. Donc bon, là, je crève la dalle, parce qu'aujourd'hui, j'ai juste mangé des Princes et des Candy Up au chocolat, donc c'est pas fameux. Je me dirige à la maison. En tout cas, là, on est samedi, donc ce soir, je pense, vous savez ce qu'il y aura. Un bon gros taclard. Donc voilà, je vous dis à toutes. Ok les gars, on se retrouve bien plus tard le soir, donc j'ai eu le temps de me doucher, de prendre un bon goûter, un bon café, et de taffer mes cours. Là, il est 20h et je viens d'appeler le tacos pour manger un bon taclard que je vais vous montrer plus tard. Mais avant d'aller chercher ça, j'aimerais juste parler d'un petit sujet avec vous que j'avais dit sur Insta. En fait, j'avais posé une question. Je vous avais dit, donnez-moi une question au hasard. La première question, j'y réponds. Et la question, c'était donc, a-t-on besoin de glucides ? Donc, je vais en profiter pour répondre à cette question ici. Comme ça, ça sera sous un meilleur format. Et ça en intéressait plus d'un sur Instagram. Donc, voilà. A-t-on vraiment besoin de glucides ? Donc moi, ma réponse, c'était clairement oui. Donc cette question, c'était par rapport aux diètes cétogènes. Donc premièrement, les glucides, donc c'est un macronutriment, il y a protéines, glucides, lipides. Les glucides, donc glucose, c'est ce qui va être utilisé le plus rapidement et le plus efficacement par notre organisme. Donc pour l'énergie, pour les perfs, pour la force, etc. Ensuite, on a les diètes cétogènes, qui consistent à manger très peu, voire pas de glucides, pour que notre corps utilise les graisses, donc les lipides en gros, pour faire cette énergie avec la néoglucogénèse, si je me trompe pas. Donc en gros, on va prendre les lipides pour les transformer en glucose pour pouvoir avoir notre énergie. Donc ces diètes, elles ont été prouvées maintenant avec toutes les études que j'ai lues, toutes les dernières études, qu'elles sont pas supérieures à une diète normale pour perdre du gras. Donc, la conclusion, c'est simplement pour perdre du gras, le seul facteur important, c'est le déficit calorique. Si vous mangez moins de calories que ce que vous dépensez, vous allez perdre du gras, perdre du poids, peu importe, ça c'est de la science, c'est de la chimie, c'est de la biochimie, c'est comme ça. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Que ça soit une diète cétogène, que ça soit une diète paléo, une diète végane, peu importe, si vous êtes en surplus calorique, vous prendrez du poids, si vous êtes en déficit calorique, vous perdrez du poids. Donc voilà, diète cétogène, il y en a beaucoup qui pensent encore que c'est plus efficace pour perdre du gras. Non, simplement non. Ce qui est efficace, c'est le déficit calorique, comme je l'ai dit. Et il y en a, ils vont dire, ouais, mais j'ai fait la diète cétogène, j'ai perdu plus de gras. C'est tout simplement parce que vous avez mangé moins de pâtes, peut-être, de pain, de riz, etc. Donc votre déficit calorique était plus élevé, donc vous avez perdu plus de gras. Ensuite, en fonction des génétiques, la tolérance à l'insuline, elle peut être différente. Donc là, il faut être... un petit peu plus attentif là-dessus, mais en règle générale, clairement, le déficit calorique, c'est ce qui vous fait perdre du poids. Et pour les grands sportifs, ceux qui font de la muscu, des jobs contraignants, etc., les glucides, quand même, c'est hyper pratique, et pour la majorité des gens, on a besoin de glucides pour être en forme, bien performer, et donc voilà, la diète cétogène, c'est pas conseillé pour tout le monde, et comme je dis, comme ça apporte pas vraiment
de choses pour nous, les go muscu, les jeunes, etc., pour une perte de gras, c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui réagissent bien avec ça, donc allez-y, faites-vous plaisir, mais ceux qui réagissent pas bien avec ça sert à rien de vous prendre la tête avec ça et de vous forcer à pas manger de glucides. Voilà, ça c'est vraiment mon avis là-dessus. Je répète, hein, c'est mon avis là-dessus, donc c'est pas une vérité générale. C'est mon avis avec mon expérience et ce que j'ai lu. Voilà, les glucides, pour moi, on en a besoin parce que peu de gens performent bien sans glucides. Après, il y en a qui performent bien sans glucides, et pour vous, allez-y, hein, faites-vous plaisir si ça vous convient. Voilà. Comme dit, si vous voulez perdre du gras, déficit calorique, mangez ce que vous voulez, équilibré, varié, assez de protéines, assez de lipides pour les fonctions hormonales, et vous serez bien. Voilà. Si vous avez encore des questions ou quoi, dites-le-moi dans les commentaires. Si vous voulez débattre ou quoi que ce soit, je suis ouvert à tout. Et là, c'est l'heure de chercher mon gros tacos. Je vous montre ça tout de suite. À tout de suite. Putain, j'ai bugué là. À toute. Ouais. C'est là que ça se passe, mon gars. Caracas. Ah, let's go. Voilà, les gars. Back at home, de retour à la casa. Avec le meilleur dîner du monde, putain. Oh, samedi soir, c'est vraiment les meilleures soirées. Regardez ça. Only pour moi, un tacos cordon bleu, sauce Biggie et sauce Magic Onion avec les frites. Et là, c'est un tacos kebab, sauce blanche, je crois. Franchement, les tacos kebab, c'est vraiment le feu. Il y en a peu qui prennent, mais c'est genre un mix entre un kebab, yufka. Franchement, c'est le feu. Et on a les petites sauces qui vont avec les frites. Voilà, deux tacos. Comme un bon Bazingra, vous connaissez. Putain, qu'est-ce que je vais kiffer. Et sinon, voilà. Je pense que cette vidéo, elle est assez longue. Et moi, je vais me poser tranquille devant Netflix. Je sais pas ce que je vais regarder, mais je vais manger ça tranquillement. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. N'oubliez pas, 10 décembre 2019, sortie de la nouvelle collection, les gars. Début décembre 2019. Et voilà, moi je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao la mif.